wayo. Nansima, oyo azwaki talenta yoko aye. Salam abokonzi. Bungwa kamasele mikuwa wa mpanda olibana. Kasi boya mbibwa biso lelo boye bisi biso te. Mokoro biso pe tokotika mokili moye.
Le décès de son éminence, le cardinal Laurent Monsengo Pasinia, le dimanche 11 juillet 2021, est tombé comme un coup perdu. Certes, parti malade, l'archevêque émérite de Kinshasa a quitté notre pays pour des soins appropriés en France, dans l'espoir de nous revenir en parfait état de santé. En effet, son éminence le cardinal Laurent Monsengo Pasinia a lutté avec la force que nous lui reconnaissons tous, avec l'accompagnement des prières de toute la communauté chrétienne et des personnes de bonne volonté. Mais hélas, ni lui, ni nous, personne n'a pu avoir le dernier mot sur la vie. En tant que père de l'Église, la mort pour tout croyant en Dieu et inhérente à l'existence humaine, bien qu'elle nous arrive à des moments inattendus, parfois en pleine forme de nos capacités intellectuelles et physiques. Sa disparition soudaine et paisible à la fois a eu dans nos consciences un profond écho dont beaucoup ont été presque surpris. En les prenant subitement un dimanche, jour où il était habitué à dire sa messe durant toute sa vie, le destin l'a laissé intact. Il nous l'a enlevé, mais il nous l'a rendu aussi, dans toute la force de sa vie spirituelle et son engagement pour notre pays. Et même les quelques jours où il est resté dans le vestibule de la mort ont été pour nous comme une préparation, comme une façon de disposer de nos esprits à entendre la leçon de cette vie. Aujourd'hui, en ce haut lieu du palais du peuple, temple de la démocratie, l'on sent par l'unanimité d'hommage à quel point sa relation avec sa société échappait aux catégories ecclésiastiques et politiciennes, et qu'elle s'est même accrue à sa mort, dépassant les frontières intransables de la pratique du culte, pour réunir dans le même deuil des consciences et des opinions diverses et multiculturelles qui toutes n'oseraient pas se dire religieuses. La présence si nombreuses et impressionnantes des autorités politiques et ecclésiastiques, ainsi que des fidèles venus de plusieurs pays en ce haut lieu, en compagnie de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et également en présence de son frère, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, pour les rendre les derniers hommages à l'illustre disparu. Traduire la reconnaissance de la nation et le respect du pouvoir temporel pour le pouvoir spirituel dont faisait partie le cardinal Laurent Monsengwo Passimian. Relève la dimension universelle qu'avait le cardinal Monsengwo Passimian, père bienveillant. Appelé dans ces circonstances de prendre la parole pour lui rendre les hommages mérités, avec un cœur meurtri, l'exercice me paraît difficile. Eu égard à l'immensité de la personnalité de Tata Cardinal Laurent Monsengwo Passimian. Nous sommes le 4 mai 1980 à l'esplanade du Palais du Peuple. L'abbé Laurent Monsengwo est ordonné évêque par le pape Jean-Paul II. 41 ans plus tard, c'est au même endroit que la nation lui rend des derniers hommages. Prélats, officiels, fidèles catholiques et différentes autres personnalités étaient présents. Pour un hommage national mérité à ce grand homme d'église et figure de proue du combat pour la démocratisation de la RDC, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue de la République Sœur du Congo, Denis Sassou Nguesso, sont venus rendre leurs derniers hommages à ces pasteurs dont l'influence et la renommée ont franchi les limites du continent. Ces funérailles ont connu plusieurs temps forts. Premièrement, la messe dite par le cardinal Fridolin Ambongo. Dans son homélie, l'officiant a exhorté l'assistance sur les bonnes œuvres à pratiquer et qui demeurent éternelles dans le cœur des hommes. Pour le prédicateur, l'hommage le plus important à rendre à Papa Cardinal, c'est de continuer son combat et d'accomplir l'œuvre de Dieu pour l'humanité. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je te confierai beaucoup plus. Viens partager la joie de ton maître. Matthieu 25, 21. Ces combats dont il n'a été que l'humble serviteur, l'œuvre de Dieu dans la situation actuelle de notre monde, de notre pays, c'est de voir l'Afrique, c'est de voir le Congo debout, uni et prospère, c'est de voir les fils et les filles de ces grands continents, de ces grands pays, sans distinction de langue, de tribus, de religion, de classes sociales, c'est donner la main pour faire reculer les frontières de l'injustice, de l'égoïsme, de l'exploitation des pauvres et s'engager à bâtir dans la paix ce Congo de nos rêves, ce Congo plus beau qu'avant, tel que nous chantons dans notre hymne national. Un message interpellateur qui a précédé la cérémonie des dépôts de couronnes de fleurs par les deux chefs d'État saluant la mémoire de ces géants. Un géant dont le mérite ont été récompensés à travers la décoration par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à titre posthume du cardinal Monsengwo, admis dans l'ordre des héros nationaux, Kabila Lumumba, en présence de nombreux cardinaux et archevêques venus de plusieurs pays africains et européens. Des témoignages émouvants ont été faits sur le défunt prélat. Tous, unanimement, ont salué sa mémoire, son combat pour un état de droit en RDC et ses grandes valeurs chrétiennes.
Né le 7 octobre 1939, Mgr Mossengo a fini sa course à Versailles en France le dimanche 11 juillet 2021 où il avait été évacué pour suivre des soins appropriés. Les hommages à Papa Cardinal se poursuivent à Kinshasa et l'inhumation est prévue ce mercredi dans la cathédrale Notre-Dame du Congo.